Ils sont les guerriers de l'or vert. Tous les jours, ces hommes montent à l'assaut de ces collines du nord du Bangladesh pour y couper la tige de jade, le bambou. Je m'appelle Mohamed Fazir. Mes copains et moi, on coupe les bambous pour les revendre. Grâce à eux, on a une paye et de quoi manger. Mohamed a 20 ans. Quand il a commencé, il en avait à peine 10. Des années de labeur qui l'ont rendu résistant à la tâche. C'est un travail très fatigant. Ça a l'air facile comme ça quand on regarde, mais c'est vraiment dur. Souvent, les nouveaux ne reviennent jamais après une journée de travail ici. Des travailleurs effrayés aussi par les milliers de bestioles qui grouillent au sol. Chaque pas est un risque, et le climat humide, parfait pour la reproduction d'un insecte des plus voraces. Les moustiques nous attaquent constamment. On tente de les écraser, on se tape de partout sur le corps, mais rien n'y fait. Moi, j'ai mis ce foulard. Il me protège des chutes d'insectes et des saletés. On en a tous un. Car s'il y a un accident, si on se coupe, on peut se faire un bandage avec. Cette plante s'appelle l'Owashutra. Sa sève brûle la peau, ça vous gratte. Aucun médicament ne peut vous soulager de ces brûlures. Tout n'est pas hostile dans la forêt. Mohamed y trouve une plante stimulante, le bétel. Quand je mange ces feuilles, je me sens plus fort, je ne suis plus fatigué. Sinon, je n'y arrive pas. J'en mâche quand j'en ai besoin. Une fois les bambous coupés, les hommes font des fagots. Commence alors leur chemin de souffrance. Près de 100 kilos sur l'épaule, à transporter sur ce sentier englué. Mohamed a 300 mètres à parcourir pour rejoindre la rivière. Arrivé sur la berge, Mohamed assemble les fagots entre eux pour en faire des radeaux. Une opération qui prend des heures, les pieds dans l'eau. Un travail éprouvant. Mohamed ne doit jamais rester immobile plus de quelques secondes. Sinon, il se fait dévorer les jambes par les sangsues. Tout ça pour un salaire de misère qui lui permet tout juste de survivre. Pour 10 fagots, on est payé environ 3 euros. Et comme le travail est exténuant, on arrive rarement à en faire plus. Ça demande beaucoup trop d'efforts physiques. Mais qu'est-ce que l'on peut y faire? Il n'y a pas d'autre boulot dans la région. C'est le début d'un long voyage aux multiples péripéties. Les bambous vont parcourir plus de 300 km de rivières et de fleuves pour rejoindre Dhaka, la capitale du Bangladesh. Une fois assemblés, les bambous donnent naissance à un convoi hors norme de 80 mètres de long sur 40 de large. Un monstre indomptable, manœuvré par seulement 6 hommes. Nous sommes à la fin de la saison des pluies. Le niveau de l'eau baisse rapidement. Si le convoi s'embourbe, la cargaison est perdue. Pour l'équipage, c'est une course contre la montre qui s'engage. Un travail de force pour un salaire de misère. Pour survivre,
Les bannières du fleuve n'ont pas d'autre choix que de faire travailler leurs enfants. L'équipage de ce monstre au pied d'argile va vivre un périple de près d'un mois. Mohamed et les coupeurs de bambou rejoignent le fleuve en empruntant les méandres des ruisseaux qui traversent la forêt. Chacun a sa technique pour passer les obstacles qui obstruent et ralentissent la navigation. Certains sont souples, d'autres beaucoup moins. Les canaux sont étroits et les embouteillages fréquents. Sors de là, tu vas dégager. Mais pourquoi tu bouges pas tes bambous de là, fils d'idiot? Comment veux-tu que je sorte d'ici? Vas-y, dis-moi comment faire. Tu vas dégager de là ou je t'arrache la tête. Vas-y, montre-moi comment passer et calme-toi. Non, pas question que je me calme. C'est pas toi qui fais la loi. Mais explique-moi donc comment tu vas faire. C'est toi qui fais les lois maintenant? Ah, c'est toi qui vas faire les lois. Mais calmez-vous! Chacun hausse le ton pour ne pas perdre la face. Mais les deux hommes ne dépassent pas cette limite. Tous sont armés de machettes. En fin de journée, Mohamed fait une pause. Il reprend des forces avant d'attaquer la rivière en colère. À l'entrée des rapides, un fonctionnaire compte les fagots comme s'il avait peur que les hommes et leurs chargements disparaissent dans les eaux bouillonnantes. 14 fagots. Épuisé, Mohamed redoute ce moment. Le goulet est étroit et la fatigue déconcentre les hommes, les pousse à l'erreur. Le moindre choc met le convoi en accordéon. Parfois, des hommes tombent à l'eau et se font prendre en sandwich par les autres radeaux qui arrivent à toute vitesse. C'est coincé, je fais quoi ? Après deux heures de descente, la rivière s'assagit. Elle se transforme en un immense marché à ciel ouvert. Tous les bambous coupés de la région sont rassemblés ici. Ils sont classés selon leur diamètre et leur qualité. Pose les bambous correctement, bordel! Pourquoi tu les jettes comme ça? Mais comment tu veux faire? Attention, tes ouvriers font n'importe quoi. Mais tu n'as qu'à regarder ce que tu fais. Les acheteurs viennent de tout le pays. Motine est l'un d'eux. Je t'achète 10 fagots de cette variété. Il a fait le voyage depuis la capitale, Dhaka, pour acheter 20 000 bambous. Hé, hey, vous m'avez pris combien de fagots? Mets-en 3 de plus. Prends-en 10 de ceux-là et 3 de là-bas. S'ils sont abîmés, moi je ne les prends pas. J'ai perdu 2000 euros la dernière fois avec des bambous de mauvaise qualité. Ma cargaison doit partir demain au plus vite. Il faut vraiment qu'on passe les marais avant qu'ils ne s'assèchent. Motine est stressée. C'est la fin de la saison des pluies. Le niveau de l'eau baisse rapidement. Pour rejoindre le fleuve, son convoi doit passer par les marais. Par la route, il n'y pense même pas. Il lui faudrait près de 40 camions pour acheminer ses 20 000 bambous à Dhaka. Beaucoup trop cher. Le lendemain, les guerriers de l'or vert ont laissé leur place aux bannières du fleuve.
Le trajet s'annonce difficile. Le niveau de l'eau est tellement bas que la caravane racle la vase. Pour la tracter, Motine a dû employer 20 pousseurs au lieu de 6. Il n'y a plus d'eau. C'est très difficile de pousser le radeau dans ces conditions. La chaleur est caniculaire. Elle rend l'effort presque surhumain. Très vite, les esprits s'échauffent. Un ouvrier en accuse 4 autres de faire semblant de pousser. Mais qui t'a dit ça, fils de chien ? Je t'ai insulté ? Je vais te mettre une gifle, je vais te casser tes 32 dents. Tu sais qui je suis ? Oui, un fils de gros cochon. C'est moi qui vais te casser la gueule. Essaye, je vais t'en mettre une. Arrêtez ! Ça suffit ! Arrêtez de vous engueuler ! Travaillez donc ! Allez, poussez ! Vexés, les 4 accusés quittent le convoi. Quand il les voit partir, Motine explose. Foulez dans l'eau, ces fils de chiens ! Quoi ? Ils abandonnent les bambous ? J'ai dépensé 50 euros pour ces enfoirés. Ils vont voir si je les attrape. Ramenez-les ici. 4 hommes en moins. Le vieux Motine est obligé de se mettre à la tâche, lui aussi. Encore 1 kilomètre à parcourir pour rejoindre le lit du fleuve et ses eaux profondes. Au Bangladesh, près de 10% des terres sont immergées. Pour se déplacer, les gens empruntent rarement la route, mais plutôt des bateaux-bus. Celui-ci a quelques problèmes. On touche le fond, il faut pousser. Allez-y, allez-y. Tire, tire. Allez, tirez. Allez, poussez, poussez. Coincés au milieu des marais, les passagers paniquent. Assis-toi ! Assis-toi et vite ! La pirogue finit par se désengluer. Les radeaux de bambou, eux, sont bien trop lourds. Je dois tirer moi-même. Que faire d'autre ? C'est ma responsabilité. Mon patron me paye pour emmener ces bambous. Qu'est-ce que je peux faire ? Motine joue gros. Si la caravane reste enlisée, il perdra son travail. Transformé en bête de somme, l'équipage redouble d'efforts pour se sortir du piège de vase. Hé, hey, je vous avais dit de passer par là, pour éviter toute cette boue. Oh, non! Par ici, par ici! En fin de journée, leur calvaire s'arrête. Motine et ses hommes ont atteint les eaux profondes. Avant de reprendre la navigation, les caravaniers reconfigurent le convoi. De leurs mains, va naître un radeau géant. Le monstre fait 100 mètres de long sur 40 de large. Un petit bateau donne un peu de répit au caravanier. Mais il est de courte durée. Quelques kilomètres plus loin, le niveau du fleuve baisse encore. À cette vitesse, le voyage peut prendre des mois pour allier Dhaka à 300 km de là. Les bagnards du fleuve s'encouragent comme ils peuvent. Hey yo!
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille pour ces hommes. La vase qui recouvre le fond du fleuve n'est pas un tapis douillet. Roseaux coupants et bambous cassés en taillent les chairs. Les pieds et les mollets sont les premiers à en souffrir. Moutaleb, le plus vieux des caravaniers, souffre. Je m'enfonce. Moutaleb ne sait plus par où passer pour retrouver les eaux profondes. Mais c'est n'importe quoi! On ne sait même plus où on va. Regardez, il n'y a plus d'eau. On peut faire un détour et passer par là. Ce sera plus sûr. Non, on va aller tout droit, c'est mieux. C'est plus court pour aller à Guilachora. Le fleuve est une autoroute très rentable pour les convoyeurs. C'est aussi une source de vie pour les pêcheurs. Surtout quand le niveau de l'eau baisse. Le poisson est plus facile à enserrer dans les filets. Quand il y en a. Car la surpêche l'a presque fait disparaître. Afin de récupérer les plus belles pièces, les poissonniers viennent maintenant directement sur les lieux de pêche. On ne fait plus de bonnes affaires. Il n'y a plus de poissons. Je vais être obligé de fermer ma poissonnerie. Dans la région, il y a beaucoup trop de pêcheurs. C'est devenu un gros business. Et donc, depuis 3 ans, le poisson commence à disparaître. Avant, certaines espèces n'étaient pêchées que tous les 5 ans. Maintenant, les poissons n'ont même plus le temps de grandir. Il n'y a plus de quotas. L'État ne contrôle plus rien. Montrez-moi votre poisson. Je suis preneur. Non, tu regardes, mais c'est tout. Mais je suis preneur. On le pèse et je vous l'achète. On ne lui vend pas. Il ne propose pas assez d'argent. Nous sommes 20. On a pêché toute la journée. Si on ne vend pas plus cher notre poisson, on ne pourra pas nourrir nos familles. Ils nous proposent seulement 1 euro le panier. On travaille dur depuis le matin. Ça ne suffit pas, on ne peut pas vivre avec ça. C'est pour cette raison qu'on ne lui vend pas. Les eaux profondes, la délivrance. À ce stade du voyage, Motine se sépare de 10 hommes. Il n'a pas les moyens de les payer plus longtemps. L'équipage est réduit à 6 matelots. Tous espèrent que maintenant le fleuve restera à niveau jusqu'à la fin du voyage. Hey, il y a un poisson! Il y a un poisson là-bas! Comme par magie, un énorme poisson a sauté sur la caravane. Attrape-le! Surtout ne le lâche pas! Mets-le dans ton foulard! Tiens-le de l'autre côté. Il est lourd. À 6, il y en a largement assez pour tout le monde. Leur joie va être de courte durée. Des pêcheurs ont vu la scène et ils ne sont pas contents. Selon eux, ce poisson leur appartient. Il était prisonnier de leur casier posé au fond du fleuve. L'énorme radeau les aurait brisés sur son passage. Mais mon frère, on est simplement passé par là. On n'a rien endommagé. Vous avez cassé nos casiers en bambou? Pas du tout. Si, nos casiers sont cassés. Bon, d'accord, ils sont cassés, mais c'est pas nous. Comment veux-tu qu'ils se cassent tout seuls? La vérité, vous les avez cassés et vous êtes partis. Vous avez intérêt à payer, sinon vous allez avoir des problèmes. Mon fils, on est pauvres. Nous aussi, nous sommes pauvres. D'autres pêcheurs envahissent la caravane. Moutaleb est obligé de céder. Ok, on les a cassés. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Si vous nous coupez la tête, on ne pourra pas se la remettre pour vous rembourser. Si j'avais l'intention de te couper la tête, je l'aurais déjà fait. Bon, prenez 50 bambous et Dieu vous donnera une récompense pour ça. Que veux-tu que je fasse de 50 bambous? Dieu vous fera un cadeau. Prenez cela.
Les pêcheurs ont le sourire. À la revente, 50 bambous peuvent rapporter jusqu'à 17 euros. Une petite fortune. Sur le fleuve, c'est la loi du plus fort qui prime. Mais ces hommes sont-ils vraiment les propriétaires du poisson? Pas si sûr. Après leur départ, d'autres pêcheurs énervés montent à bord. Le radeau géant aurait en fait abîmé des filets flottants dans lesquels était pris le gros poisson. Les caravaniers se jettent à l'eau pour contrôler. Le filet était cassé, déchiré par la caravane. Ça coûte 10 euros. Ils doivent nous dédommager. Et qu'ils n'essayent pas de nous entuber. C'est mon dernier mot. Je ne trouve pas ici. Ils sont par là, venez par là. Tire par là. Il est là. Oui, je l'ai. Les pêcheurs avaient raison. Un à un, les filets sont dégagés, mais intacts. Arnaqués par les autres, les pêcheurs conciliants ne réclameront aucune contrepartie. Parfois, ces histoires tournent mal. Moutaleb a failli laisser sa peau plus d'une fois. Écoute, Faisal, tu sais pourquoi on ne navigue pas la nuit avec la caravane? Non. Un jour, on naviguait la nuit. À ce moment-là, il y a 10-15 personnes qui sont arrivées. Des voleurs. Avec des grands bâtons. Ah bon? Et ils ont mis une machette sous ma gorge. Sous la gorge? Ils m'ont frappé avec une machette. Vous avez la cicatrice? C'est ici, oui. Et après, ils sont partis avec tout ce qu'on avait. Ils ont cassé mon genou tellement ils m'ont frappé. Au deuxième jour de navigation, le convoi a parcouru péniblement 30 km. Les caravaniers font une pause près de Gilachora. Ici, le radeau géant va subir une ultime transformation. L'énorme langue de bambou est tentante pour les enfants du village. Les caravaniers préfèrent éviter les ennuis. Hé, les enfants, dégagez! Descendez de là! S'ils se blessent, leurs parents vont venir nous trouver et nous accuser d'être les responsables. Ils vont dire que c'est à cause de nous si les enfants se sont blessés et ils demanderont un dédommagement. Partez, tout le monde part, allez. Moutaleb a une fille de 18 ans et un garçon de 16 ans. Il les trouve un peu feignants, car aucun des deux ne travaille. Il aimerait pouvoir se reposer. Au Bangladesh, il n'y a pas de retraite. Ce sont les enfants qui subviennent à la famille. J'ai entre 65 et 70 ans. Ça fait 45 ans que je fais ce métier. Je me suis marié et je n'ai eu des enfants que 30 années plus tard. Si j'avais eu des enfants avant, ils seraient grands maintenant et je n'aurais plus besoin de travailler. Et le travail ne manque pas pour les enfants, comme dans cette plantation de thé. Malgré son jeune âge, Rubel travaille déjà autant qu'un adulte. Rubel ramasse les noix, les fruits des arbres à thé. Après, ils serviront à les replanter. Comme Rubel, 50 enfants travaillent ici. Ils sont une main-d'œuvre idéale. Leur petite taille leur permet de passer facilement sous les arbustes. Rubel est le fils d'un coupeur de bambou. Les revenus de sa famille sont très maigres, surtout depuis que sa mère est tombée malade. Je fais ce métier depuis un an. Tu vas à l'école? Je ne peux plus aller à l'école. Pourquoi? Parce que je dois remplacer ma mère à la plantation.
Quel âge as-tu ? 10 ans. À peine 10 ans. Tu as bien travaillé ? Combien tu en as ramassé ? 6 douzaines. Tu es sûre ? Oui. Je peux y aller ? Alors vas-y. Épuisé, Rubel doit encore marcher 6 km pour livrer sa marchandise. Seule consolation, sa maison se trouve sur le trajet. Il peut se reposer quelques minutes. Sa maman espère qu'il va tenir le coup, car le médecin lui a formellement interdit de revenir à la plantation. J'ai une maladie cardiaque, j'ai mal aux poumons. Rubel touche 3,20 € par semaine, 6 fois moins que sa maman qu'il remplace. Son salaire permet tout juste de nourrir ses 4 frères et sœurs, qui, eux, ne travaillent pas. L'usine à thé se trouve encore à 5 km de son village. Je dois me dépêcher de livrer mes noix à la plantation. Ils sont des centaines comme lui à revenir des champs, les sacs remplis de feuilles de thé et de noix. Le lendemain, Rubel reprendra son travail dès l'aube. Cela fait maintenant 5 jours que les caravaniers sont arrêtés près de ce village. Mais personne ne se tourne les pouces. Les hommes démontent patiemment l'immense radeau pour en réduire l'envergure. Le monstre va passer de 40 à 20 mètres de large. On en profite aussi pour nettoyer les bambous. Comme ça, ils sont plus beaux pour les clients. Les caravaniers entassent les bambous les uns sur les autres. Le radeau est plus épais, mais maintenant le lit du fleuve est plus profond, normalement. Motin, le chef du convoi, tente de faire accélérer le travail. Mais range-les correctement. Fais un effort, s'il te plaît. Avec 8 fagots de 50 bambous, on en fait un autre plus épais de 300 à 400 bambous. Les hommes triment durement, des journées entières dans l'eau. Si on se blesse gravement, on nous bande la plaie. Et c'est tout. On n'a rien d'autre. Et après, on nous remet au boulot avec notre blessure. Dix jours de travail ont été nécessaires pour fabriquer ce nouveau géant. Le grand patron est venu apporter la paye de la semaine. Tous ces bambous vont être revendus à Dhaka. C'est destiné au marché local. Grâce aux bambous, Chorab est devenu l'un des plus riches marchands de la région. Je ne sais pas quelle fortune j'ai pu accumuler car j'ai acheté des terres, des maisons. Avant, j'avais une petite bicoque et maintenant, elle est immense. Les 6 caravaniers ont encore 15 jours de navigation avant d'atteindre la capitale. Et le voyage cache encore bien des embûches. À commencer par le bateau censé les tracter pour aller plus vite.
Son moteur est en fait une vieille pompe d'irrigation. Et elle est à bout de souffle. Ah, essaye de trouver la panne et répare-la. Il est tellement pourri, ce moteur. Mais redémarrez le bateau! Dépêchez-vous! Moutaleb craint l'accident. Le radeau est livré à lui-même. Si ses 250 tonnes percutent la berge, il va se disloquer et ses milliers de bambous vont partir à la dérive. Il faudrait changer cette pièce, mais pour ces rois de la débrouille, rien n'est impossible. On met un tissu et un plastique autour de l'axe, on fait un nœud, on remonte le tout et ça va marcher. Les deux compères sont optimistes. Ok. La vieille pompe s'ébroue. Et comme par miracle, elle repart, redonnant aux hommes un peu de répit. Une heure plus tard, le moteur agonise. Je ne comprends pas. Notre bricolage ne marchait pas trop mal. Pourquoi il s'arrête? Je crois que le tissu est en trop. Mais avec le tissu, ça devrait marcher. Allez, on redémonte tout pour vérifier. Et tu penses que comme ça, on va y arriver? Là, je crois qu'on est mal. Cette fois-ci, la pièce a l'air bonne pour la poubelle. La berge est toute proche et le courant puissant à cet endroit du fleuve. Munis de perches, les hommes ralentissent le monstre pour éviter qu'il ne se fracasse contre la berge. Sur le fleuve, les obstacles sont nombreux. Après 5 heures de bataille, Moutaleb donne l'ordre de stopper le radeau. On arrête la caravane pour la nuit. Plus facile à dire qu'à faire. Va plus loin! Va plus loin, vite! Vite! Essaye d'aller plus loin! Mais t'es vraiment un incapable! Vas-y, il faut que tu ailles encore plus loin! Plante-le ici! Plante le piquet! T'es vraiment un bon à rien! Une fois amarré, un bateau arrive aussitôt. Les marins sont en colère. Le radeau aurait pris leur place de stationnement. Hé mon gars, c'est vous qui êtes venu vous amarrer sur notre place. C'est vous qui nous emmerdez. Non mais je rêve, calmez-vous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne dis que des âneries, que des bêtises. Tais-toi donc. C'est vous les caravaniers qui cherchez la merde. Allez, casse-toi. Casse-toi. Jamais on était là avant. T'es qu'un chien. Les deux camps bombent le torse, se provoquent. Mais au final, ils passeront la nuit l'un à côté de l'autre. Au petit matin, le brouillard s'est installé. Moutaleb n'aime pas ça. Cette purée de pois ne cache rien de bon. Elle est le refuge des mauvais esprits.
Un jour, j'ai vu un fantôme. Je gardais une vache dans un champ. Tout d'un coup, j'ai vu un nuage de brouillard blanc apparaître. Il est devenu de plus en plus grand. Il a pris la forme d'un très grand spectre. Immense, immense. Il voulait m'attraper. Dès que je l'ai vu, j'ai crié très fort. Très fort. J'ai crié, crié, appelé ma mère et j'ai perdu connaissance. La vache s'est enfuie de peur. Mes parents sont sortis de chez moi. Ils ont appelé l'exorciste et je me suis réveillé. Une fois sortis du brouillard, ces sueurs froides sont loin d'être terminées. Moutaleb et son monstre de 100 mètres de long sur 20 de large abordent une série de virages serrés. Attention, attention! Le prochain virage est dangereux. À gauche, à gauche. Oh, monsieur! Vos filets de pêche bouchent le passage. La caravane se dirige tout droit sur une pirogue de pêcheurs. Attention à leurs filets! Mais c'est pas possible que quelqu'un ait planté un piquet. Mais personne n'y va. C'est n'importe quoi. Ne restez pas comme ça. Bougez-vous. Mais tu pouvais pas passer plus loin. Cette fois-ci, les amarres ne vont pas servir à ralentir, mais à faire pivoter le radeau. Exemple, quand on retient l'arrière, c'est l'avant qui se redresse. Fais une boucle. Mais gare aux mains. Sans gants, les cordes sont de vrais coupe-doigts. Les hommes courent entre les deux berges. La manœuvre est une torture. Dépêchez-vous! Plante le piquet! Doucement! Pourquoi tu tires fort? Je t'ai dit d'aller doucement. Ils ne peuvent pas suivre. Ils n'ont qu'à suivre. Moi, je te dis, va doucement. Doucement! Attention, on va rentrer dans la berge. Revenez vite! Le piquet est coincé! Par là, par là, par là, par là! Le crash est évité de justesse. Faisal est exténué. Il est au bord du malaise. Comment ça va? Ça ne va pas. J'ai mal au ventre. Ça fait mal. Depuis tout à l'heure, on fait des allers et retours sans arrêt. Ça m'a tué. Va lui donner un coup de main. C'est pas fini. Je ne peux plus, j'ai trop mal au ventre. Allez, vas-y. Les amarres ont arraché un bout du radeau. Avec leur dernière force, les matelots rapprochent les fagots disloqués. Tire! Allez! Voilà, c'est bon, c'est bon! Après un mois de galère, la caravane arrive à Dakar. On a mis 26 jours.
Je suis très fatigué. On est épuisé. À peine accostés, les acheteurs se hâtent. Tous les bambous n'ont pas la même qualité. Il faut trouver les meilleurs fagots. Celui-là, celui-là et celui-ci. Combien tu en veux ? Encore 6 de là-bas. 6 fagots de ceux-là, ok ? Des beaux, hein ? En un coup d'œil, il repère les défauts. Ceux-là sont trop vieux. Un fagot de 300 bambous se vend 150 euros. Chorab, le patron, est ravi. Sa cargaison part rapidement. Donne-moi encore 500. C'est un bon business ? C'est un bon business. On a déjà vendu 40%, il reste 60% à vendre. Je pense que d'ici vendredi, tout sera vendu. Ce travail de force rapporte à Moutaleb 150 euros par mois. Soit près de 3 fois moins que le salaire moyen au Bangladesh. Avec sa femme, il voulait partir à la retraite, mais impossible. Ses enfants rechignent à travailler. Tu as travaillé, fils ? Non, je n'ai pas de travail. Est-ce que vous avez remboursé l'épicerie ? Oui, je l'ai déjà payé. Il faut que tu travailles. La famille dépend de toi. Tu as une sœur. Et si on veut la marier, on aura besoin d'argent. Si tu ne travailles pas, comment vivre ? Je suis revenu, mais je dois repartir. Je ne peux plus travailler énormément. Je suis vieux maintenant. Au Bangladesh, le bambou remplace le bois, surtout dans le bâtiment. Le moyen le plus économique pour transporter ces longues tiges de 7 mètres, c'est le cyclopousse. Plus agile qu'un camion, mais plus dangereux pour son conducteur. Hey ! Pour tourner, le pousseur doit négocier son passage avec les autres conducteurs. Je veux aller vers la droite. Je dois donc passer en biais. Hé, hey, toi, est-ce que tu peux pas te garer là-bas ? Parce qu'il faut que je passe par là avec les bambous. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Je vais entrer par là et sortir comme ça. Allez-y ! Allez-y ! Stop ! Ce n'est pas possible, je n'y arrive pas. Tous les immeubles de Dhaka ont été construits grâce au bambou. Ils permettent d'élever de solides échafaudages sans limite de hauteur. Attention ! Regarde bien, fais un nœud. Celle-là, on va la poser ici. Sans aucune sécurité, ces deux ouvriers se jouent du vide. Regardez, celui-là n'est pas solide. Et c'est pour cela qu'on l'a attaché avec un autre, pour le consolider. On a mis deux bambous ensemble, pour que ce soit plus solide. Il y a des accidents. Des gens sont morts sur ce chantier. Un gars est tombé, il s'est cassé les deux jambes. Il n'est pas mort, mais sa vie est finie. À Dhaka, d'autres meurent à petit feu. Dans ces ruelles qui abritent les fonderies artisanales de la capitale, l'air est irrespirable.
Il est saturé de poussières et de fumées nocives. La majorité des ouvriers sont des enfants. Il fait très vite chaud. À l'intérieur des ateliers, il fait près de 40 degrés en permanence. À cause de la chaleur, les hommes qui manipulent le métal en fusion risquent de devenir stériles. Après le travail, je me sens très fatigué. Je me sens faible et je n'ai pas envie de manger du riz. Le travail est dur, il fait chaud et il y a beaucoup de fumée, de poussière et de sue. Nayan est une petite main de l'acier. Ce jour-là, à sa pause déjeuner, il a tout juste de quoi se payer un beignet. Je me réveille à 8h du matin, mais je commence à 9h. Je termine tard le soir, vers 22h. Enfin, ça dépend du patron. C'est comme ça. Au fond d'une cour empoussiérée, Nayan partage son atelier de 10 mètres carrés avec 5 autres ouvriers. Il fabrique des pistolets de lance à incendie. Allez, dépêche-toi. Nayan est chargé de préparer la terre qui sert à fabriquer les moules. Quel âge as-tu ? J'ai entre 11 et 12 ans. Tu travailles ici depuis combien de temps ? Depuis un an. Après avoir divorcé, sa mère l'a abandonné. Et son père s'est rapidement débarrassé de lui en le plaçant ici. J'ai une belle-mère qui ne veut pas de moi. Et mon père me bat. C'est pour cette raison que je travaille ici. Vous savez, je suis un homme. J'ai de l'humanité. C'est pour ça que je le garde ici. C'est le chef d'atelier qui s'en occupe comme un père. Maintenant, c'est lui son tuteur. S'il apprend un travail manuel, il n'est pas obligé d'aller à l'école. Avec un travail manuel, on peut survivre. Si personne ne lui apprend, Nayan ne saura jamais lire ni écrire, comme la plupart des ouvriers. Pour lui, l'école est finie. Toute sa vie, il risque de la passer ici, dans la fournaise et la crasse. Hé, patron, c'est prêt ? Mais pourquoi vous avez fait comme ça ? C'est pas conforme ? On n'avait pas beaucoup de temps. Ah, d'accord. C'est pour ça que vous avez triché, pour gagner du temps. Montrez-moi tout ce que vous avez fait. Tous les jours, le petit garçon, du fond de son trou fumant, fait le même rêve. Je ne sais pas où est ma mère, mais elle est vivante. 22h, sonne la fin de sa journée de travail. Le petit garçon de 10 ans a le droit de se laver dans cet endroit sale et infesté de moustiques. Il doit se débrouiller seul pour tout. Monte te coucher. Prends une couverture. Chacun dort dans son atelier. Par exemple, eux, ils dorment ici. Seul luxe pour Nayan, son patron l'autorise à dormir dans le bureau situé au-dessus de l'atelier. Quand je dors, je n'arrête pas. Au Bangladesh, comme Nayan, plus de 7 millions d'enfants travaillent dans des conditions effroyables.